Ok, salut à tous, c'est Battle. Donc on se retrouve à nouveau sur Dead Island. Ça y est, c'est bon. Salut aux spectateurs. Ah, y a un petit décalage, hein. Can't hurt to look. Ok, bah c'est parti. Allez, on y va. 50 mètres, donc on n'a pas besoin d'y aller. En voyage rapide, on peut y aller à pied. Et c'est parti. Un petit sprint. On a 1000 Fitbit. Ah, attends, je crois que j'ai loupé, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ok. Prends le petit chemin. Alors attends. C'était par là. Et voilà, c'est reparti. Alors. Mais ça, je m'appelle pas du tout. Oh là là, il y a du monde là, il y a du monde. Allez. Hop. Voilà toi, tiens. Tiens, mange. Hop, c'est bon. Alors, premier. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup d'armes. Alors, attends. On va prendre l'autre. Allez, coup de poing. Ah, la gueule. Trois spectateurs. Alors, salut aux trois personnes qui me regardent. C'est incroyable. On est en train de battre hardcore là. Incroyable. Il n'y a jamais eu autant de monde sur la chaîne. Salut à tous. Salut Rodney. You suck. Ah bah merci, sympa. Hein. Sympa le message. I love this game. Ok, ouais. pas mal. Donc salut à Barati et salut à Rodney S99. Tiens, prends ça dans la gueule, toi. Paf. Ah bah, c'est le 4 spectateurs. Bah, salut aux 4e personne qui s'est connectée. C'est incroyable, on est en train de battre des records ce soir. Oh, oh, oh. Là, il y a du monde. Oula, là, j'ai mort. Ouf. Ouf, c'est juste. Encore vivant. Non, c'est bon, ils sont bien morts. Enfin, vivant, quand c'est des zombies. Hein. Mais lui, c'est un grand méchant, lui. Il vous fait une tatata. Hop. Oh, oh bah. Ah bah voilà. Et on perd 277$. Pas de petits méchants sur le chat. Regardez, oh là là. Grosse folle. Content lui. Ouf. Allez. Pourquoi toutes les filles se jettent là?
Ah, un petit message. Super, alors les messages insultes sur le chat s'affusent. Après, Rodney 99, maintenant c'est Barati qui raconte n'importe quoi. L'impression qu'elle ne se rend pas compte que tout le monde voit ses messages. Ouais, jouer discretos parce que le gros baraque, on n'a pas de quoi l'affronter. Et je regarde s'il y a un atelier au phare. Et hop. Parlez à James. Parlez à Kerry James. Oh. Allez. On monte et on saute. Mais le coup des trucs, je me rappelais plus. Je me demande s'il y en avait dans l'original. Allez, on remonte à l'étage. 5 spectateurs, salut au cinquième. Ah, c'est incroyable ce soir, le monde. It's done? Le monde qu'on a sur la diffusion. Look, ah, merci, merci Barati pour le petit commentaire, c'est sympa. Même si là pour l'instant, on peut pas vraiment dire qu'il y a du skill. Ok. I'll be right here keeping an eye out. Stay strong, Linda. That's it. Maybe there's something in here. Allez, hop, l'atelier, il est où là? Je peux ouvrir cette porte? Ouais, c'est bon. L'atelier est ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Amplificateur de signaux. Ok, ruban adhésif, d'accord. Et là. Retournez voir Dominique et devenu amplificateur de. Ok. Ok, des fils. Hop, c'est bon. Alors. Ok, ok. Bon, on voit quand même que les textures hein, ont bien été augmentées. Alors, on va réparer nos. Parce que je pense pas que j'ai des. Super armes. Ah, quoique. Ça, c'est pas mal. Mais niveau 14, donc je suis pas encore. J'espère que j'ai assez de thunes. Ouais, ça devrait aller. Impeccable. Donc là, c'est bon. Ça va saigner. Allez, on y va. Dominique, est-ce qu'il est ici? Oui, alors attends. Faut que je remonte à l'étage. Hop. Ah, oh, voilà. D'un coup, on a perdu tous les spectateurs. Il n'y en a plus que deux. Tout le monde est parti. Bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant pour l'instant. Voilà. C'est bon, on a donné à James ce qu'il voulait. Et bah Dominique, il doit. Bon, allez, on va continuer l'émission. Du coup, alors, nectar de vie. Apporter de l'eau pour Kim, apporter deux boîtes de conserve à Ned. J'en ai plus, du coup. Ah ouais, faudrait que j'en retrouve. Bon, et bah ok. Et bah on est reparti. On va peut-être prendre la voiture cette fois-ci. Du coup, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc Ned c'est mort, et bah on va essayer de faire Kim. Et Kim, je crois que j'ai plus de bouteille d'eau non plus dans l'inventaire. Est-ce qu'on voit ça? Les objets à collecter. Ok, ça c'est bon. Les plans. Alors, est-ce qu'il y a des bouteilles d'eau? Non, il n'y a pas de bouteilles d'eau. Ok, bon. Bah tant pis. Eh ben allez, on y va. On va faire quoi comme quête? On va faire la moins difficile. Allez, histoire de famille. Chercher le mari de Kelly, un concierge du nom de William, dans le bungalow diamant. Allez, c'est parti. Direction le bungalow diamant. Ouais, alors là, c'est mal barré, parce qu'il nous dit d'y aller à pied. Du
du coup, on abandonne la voiture. De toute façon, ça sentait le pipi de chat sur le siège. Donc du coup, on pourrait peut-être se faire une petite vengeance. Ah bah non, du coup, ils sont tous partis. Bon, bah tant mieux. Let's take a look. Un pied de biche tout pourri. Il n'y a rien d'intéressant. Ok, allez, on y va. Donc c'est parti, on court, petit footing. On y va. Tiens, hop. C'est quoi ce t-shirt battle? Alors ça, c'est un t-shirt... c'est un t-shirt jaune, un t-shirt Mario. Donc qui coûte 19,99€ hein, si vous êtes sur un vendeur peu scrupuleux à Micromania, qui est pas aimable, et qui veut vous le vendre prix fort. Tout ça parce que vous n'avez pas précommandé votre version de Super Mario Maker. Donc, hein, qu'est-ce qu'on lui dit à lui? On lui dit... Oh fuck. Hop, voilà, petite boisson. On reboit une petite boisson. Attends, il me dit qu'il y a quelque chose pour la mission là. De l'alcool. C'est pas de l'alcool. Il doit y avoir autre chose. On va chercher. Ça va être à l'intérieur. Boisson énergisante. Ok, donc c'est à l'intérieur. Tiens, des boîtes de conserve pour Ned. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Un couteau maison. Alors ça c'est pas mal, un couteau planté dans le mur. Il y a un mec, il a allumé avec son chewing-gum sur le couteau et il l'a planté dans le mur. Tu as une très belle déco chez toi, Battle. Ah oui, alors bon, bah, la déco, qu'est-ce que vous voyez? Bah, une table basse avec une bougie, hein, une bougie que... Alors évidemment, je vous rappelle que les bougies ne sont pas faites pour faire de la lumière, pour se réchauffer ou... Pour tout autre usage, elles ne sont faites uniquement que pour la décoration. Voilà. Et puis une pendule hein, qui indique que le temps en direct, hein, qui dit bien que nous sommes en live. Donc il est bien 23h, hein, on est bien en direct. Je remercie les 9 spectateurs qu'il y a actuellement sur la chaîne. Bon là on rigole beaucoup, on joue pas beaucoup, donc on va peut-être recontinuer. Donc on reprend le Fitbit et on y va en cours. Visite GIF, endroit sur 72. Ah tiens, alors là on a quelqu'un, tiens, salut toi. Tiens. Et voilà, et là on l'a fini. Paf. Paf, voilà. Bon, on continue. Là, il y a du monde, donc on va peut-être passer à autre chose. Voilà. Et voilà, petit coup de pied dans le dos. Tiens, t'as vu mes talons? J'ai vu le bouton. Paf, allez, hop. Voilà. Oh, hey, bonjour la laine. Oh, là. Oh, il est belliqueux. Oh, il est belliqueux. Tiens, voilà, loupé. Loupé, tiens. Et encore un coup. Oula. Respire, respire. Et voilà. C'est bon, allez, on peut continuer d'avancer. Allez, on avance. On va essayer quand même de se finir une mission. On court, hein. Allez. Hop. Un petit coup de Louboutin dans la gueule. Et voilà. Gimme more, gimme more, gimme more. Ah tiens, ça nous rappelle une petite chanson. Gimme, gimme. Hop. Fouille toujours les poubelles, hein. On peut toujours trouver... Des fois des trucs super intéressants. Y'a rien. Alors.
passe par les bungalows. Salut aux nouveaux téléspectateurs qui viennent d'arriver. Donc on est sur, je rappelle, une petite vidéo découverte de Dead Island Definitive Edition. Hein, donc à 39,99€, qui comprend donc, le Dead Island, le premier, le Dead Island Riptide. Et donc le nouveau Dead Island Retro Rampage ou Retro Revenge, un truc en fait tout moisi, puisque à l'origine je pensais, vu les screens, vu comment ça a été présenté, je pensais que c'était un beat them all, et en fait c'est un run them all, en fait on pourrait dire, typiquement un gros jeu mobile quoi, pas terrible. Enfin, bien en dessous de ce que j'attendais, en fait. Allez, tiens, une échelle. Pourquoi nous dit de prendre l'échelle? Allez, on va mettre, on va faire trempette. Ouh, elle est froide. Ouh, elle est froide. Allez, on traverse. Voilà, ça remonte. 7 spectateurs. Hein, les audiences baissent et montent. Ah, il y a 2 missions en plus. Bah, tiens, on a bien fait de venir là. Bon, on voit quand même que graphiquement, hein, ça a bien augmenté. Anything will help. Everything is so fucked up. And these half-dead assholes, they're fucking annoying. Okay, fucking. I need more champagne. I fucking love champagne. D'accord, elle aime le fucking champagne. You find me champagne and I'll give you what. Ça nous rappelle une chanson, hein. Golden Shower, non, c'est Champagne Shower. Ah, plus de messages, bon, une nouvelle mission, allez on la prend. Alors ce qui est bien au moins, c'est vrai que dans ce jeu, on n'est pas limité au nombre de missions à prendre. Ok, procurez-vous une bouteille de champagne. C'est bizarre, j'en ai pas chopé encore une seule depuis le début. C'est que ça doit pas être... Tiens, deux bouteilles d'eau. Ah, un nouveau document. Un peu de pognon. D'accord. Bah dis donc, ça s'éclate ici. I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going to hell and the last person I want. Non, ça serait pas le fameux William qu'on parlait tout à l'heure. Prenez l'argent et tout ce que vous voulez. Ça ne servira plus. Et dites-lui. Dites-lui que je suis mort. C'est mieux comme ça, croyez-moi. Ah bah, tu m'étonnes. ouais, on a retrouvé ton mari, ouais, bah il était avec deux camés. Hein, salut mesdames. Un petit problème là, hein. Ça a pas l'air de bouger beaucoup ça. Bon, allez. Ah bah, il y a de l'alcool partout. Ah, qu'est-ce qu'il a le William? Il a pas l'air assuré. Et... quelque chose à reprocher lui. Allez, on prend... Qu'est-ce qu'il y a? Help me. Ah bah, de la drogue. Ok. Toi aussi t'es complètement camé. Je n'arrive pas à le trouver et j'ai peur d'aller dehors. Je ne peux pas. Elle est peut-être retournée à notre bungalow. C'était le numéro 15. Ouais, vas-y, si, donc c'est pas le numéro 10, hein, c'est le numéro 15. Ok, le numéro 2 dans le quartier or, s'il vous plaît. Oh bah ça va, on accepte avec grand plaisir cette mission. Salut Stevlog. Bienvenue sur la chaîne. Donc, j'espère que c'est pas trop ennuyeux. Tiens, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah alors. Allez, effectivement, et de la drogue et de l'alcool. Allez, forcément, hein, je préfère te le dire, tu vas pas récupérer ta caution, mec. Hein. Il y a que des camels là-dedans. Bon, allez. D'accord, ok, on a compris que tu voulais la campagne. Allez, nous on se barre. On reprend le footing. Ah bah c'est gentil, c'est gentil de dire que c'est marrant. On essaye de minimum marrant. Ça va. Donc pour Bharati India qui demande qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire ça va. Bon, par contre il faut que je joue mieux parce que là,
Et on va encore perdre. Bah. Alors, bah là, ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément marqué sur Twitch. Donc là, on est sur Xbox One. J'avais pas dit. Bah, de toute façon, je diffuse quasiment sur Xbox One. Donc voilà. Maybe there's something inside. Allez, c'est reparti, on fait un petit footing. Donc salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc bah ça se manie bien, hein, je vais dire pour ceux qui l'avaient déjà sur les anciennes plateformes, hein, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le racheter? Bon, vu du prix, pourquoi pas. Après, oui alors. Ils disent donc forcément que tous les DLC sont fournis dans la boîte. Sachant que Dead Island n'est pas vraiment connu pour ses gros DLC, hein, c'est pas ça qui va changer la donne. Ouais d'accord, il y a un perso de plus quand tu commences le jeu. Strider je crois. Après c'est dommage que dans les bonus on n'ait pas le fameux trailer de Dead Island. Oh! Je parle là! Oh, oh, oh! Bon d'accord, ok. Faut reconnaître hein, qu'on a plus fort que soi devant soi. Faut la jouer plus technique. Allez. Tu vas maigrir, pardon. Moi je reçois Dead Island collection sur Xbox One dans 2 jours, on pourrait jouer ensemble. Pourquoi pas Toto, pourquoi pas. Sachant que ouais effectivement, comme le jeu. Oula. Hop. Oh bah tiens, j'en ai encore pris une bonne. Est pas encore sorti officiellement. Hein. On peut se le procurer dans ce temps à Micromania. C'est vrai qu'il est pas encore dispo à Carrefour. Bah en fait, je voulais prendre Tortue Ninja et puis bah, malheureusement, il n'y avait pas de Ninja et du coup, bah, on s'est rattrapé sur Dead Island. Oh merde. Tu vas maigrir, c'est-à-dire Steve Vlog, tu parles hier ou hop là. Paf. Ah ouais. Ah, c'est peut-être grâce à l'utilisation de mon Fitbit. Attends, on va repartir. Oula. Ça vache. Ah, il y a des fois, hein, c'est proche de Dead Soul, hein, quand même. Hein. Oh là, coup de croc, ouais. Je crois que j'ai dû lui briser les deux bras. Vu la taille du bras gauche. Ah ouais, je lui ai brisé les bras. Franchement, ça, c'est super cool. Par contre, la localisation des dégâts... C'est vraiment sympa. Je parie que... Ah, je parle quand tu cours, ouais, donc j'avais bien compris. C'est quoi ton game? Bah, donc, comme le nom de la chaîne, Battle Royale, on enlève juste le FR. Ah! Non, non, pas de bisous! Non, mais... Alors... Ah, mince, ma batte est bientôt morte. Eh bah, allez, on continue. C'est quoi là? Ah la scène. Waouh. Oh, y a des trucs, je m'en rappelais plus du tout. Hop. Coup de pouet. Et voilà. Et encore ils vont lui. Tiens, hop, on l'assomme. Ah, petite mission. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui d'accord, ok. Il a des fans le mec. Bon, les groupies là, on se calme. Attends, on va changer d'arme. On va y aller à la machette. Ouais, allez. Vous le connaissez? Moi je le connais pas. Le concert n'est pas commencé, messieurs dames. Hein. Veuillez vous écarter de la scène.
Non mais. Oh la groupie là. Voilà. Ah bah c'est fini hein, maintenant. Et voilà, les deux bras coupés. Ah bah là on a fait un massacre. Salut toi, bon. On récupère un peu d'argent, hein. On fait les poches. Hein. Et ben voilà. Deuxième succès débloqué. Donc là, hein, voilà. Voilà. Eh ben voilà, et de deux. Oh bah dis donc, eh ça n'arrête plus. Je sais pas si Baratindia est encore là. Alors bonjour, est-ce qu'il y a toujours la vidéo des débuts dans la boîte de nuit? Oui, bien sûr, alors oui, tout à fait. Hein. Alors pareil, hein, retravailler aussi. Toujours avec le rap de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bah du Renoir qu'on peut jouer. Donc oui, ça n'a pas changé du tout. Donc ce que je disais tout à l'heure, par contre... Je regrette par contre qu'ils aient pas inséré le trailer du tout. Alors, et du coup, graphiquement, c'est comment tu trouves, comment par rapport aux anciennes versions sur 360, il y a des différences. Alors, graphiquement, bon bah déjà on le voit là, hein, c'est quand même un peu plus beau. On va pas dire que non, c'est le meilleur remake qui soit sorti jusqu'à maintenant. La grosse différence, c'est vraiment la fluidité. Alors parce que bon, donc moi c'était sur 360 hein, que je jouais, et c'est vrai que le jeu était loin d'être fluide. Après voilà, c'est ça, hein, c'est comme GTA 5. La grosse différence se fait dans la fluidité, hein, autant sur GTA 5. Bon, et voilà, y a pas que ça. Et là, c'est vrai que là, au moins, c'est très agréable à jouer. Y a pas de souci. Hein, on découpe de la tête super facilement. Voilà. Bah donc, Steve Locke, si t'es encore là, bah je te dis bonne nuit. J'avais pas vu, excuse-moi. J'essaye d'avancer dans le jeu pour qu'on puisse, que tout le monde puisse voir un maximum de choses sur le jeu. Alors. Voilà, c'est ce que je disais. Après, c'est pas le meilleur remake, hein, puisque même, voilà, quand on s'approche de près, les textures sont pas super belles. On a vu des remakes qui avaient des beaucoup plus belles textures au niveau des remakes. Je pense par exemple à Metro, qui avait des textures quand même un peu plus détaillées. Le lifting est sympa, ça se voit sur les persos. Après je vous invite aussi à regarder sur YouTube hein, puisque avant d'aller acheter le jeu j'avais regardé des vidéos justement version 300 enfin c'était version voilà, c'était pas marqué hein, quelle console c'était utilisée, mais on voyait la nouvelle et l'ancienne version. Après voilà, moi ce que je regrette pas, c'est vraiment que ben voilà, on a plus ce problème de lenteur. Vous pouvez y avoir sur... Ouh, bien joué. Alors là, headshot, hein. Cut headshot, on pourrait bien le dire. Allez, on avance, 47 mètres. Et voilà, je vous ai fait la colonne. Oula, il y a du monde là. Un bras en moins, pas de bras, pas de chocolat. Et voilà. Ce n'est qu'un bobo. Ah bah ça doit être mes démembrements. Oh 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 oh. Allez, hop, voilà. Voilà, hop, nickel. Alors, mec, tu peux aller devant l'hôtel pour voir la différence. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est con parce que là j'ai pas de bagnole sous la main. Il est par là. Quoique. Est-ce qu'on peut faire ça? Je vais essayer de faire un truc. On va voir si c'est possible ou pas. Voilà, on charcute. Tiens, on descend les escaliers. Salut! Oula, lui il est baraque. Faut mieux. Ah mince. La machette est foutue.
Allez, on va reprendre le point. Voilà. Et voilà, c'est parti. Allez, on continue, on descend. Mince, j'ai fait quoi comme connerie, moi? Ah, si, c'est bon. Ouf, oula, j'ai mangé là, j'ai mangé. Parce que. Ouais, par contre, les effets de lumière ont été. Comme c'est marqué hein, sur la pochette. Derrière la pochette, les effets de lumière ont vraiment été retravaillés par contre. Et ça fait plaisir. Ah, des fois, c'est peut-être un peu too much. Hop. C'est bon, j'ai fait un massacre. Alors. Le monde des Islandes, il est grave, bien, on a une bonne ambiance et en plus on est sur une île paradisiaque. Ouais, alors effectivement on est sur une île paradisiaque, mais c'est vrai que ce qui prime c'est quand même l'ambiance. Bon là, on va y perdre un peu, mais j'aime bien le côté on est dans la merde et... Ouf. Allez, voilà. Ça, c'est de l'ambiance. Ambiance scandale, hein. Et voilà. Et ben voilà, on a monté d'un niveau. Alors, attends. Mec, tu peux... Toto, faudrait que tu me dises où c'est que tu veux que je sois à l'hôtel. Ce que je voulais faire, c'était retrouver... Mais du coup, je me suis un peu perdu. Je suis où, là? Alors attends, je voulais me retrouver. On va essayer de speeder. Parce que si tu veux... Alors, là je crois que j'y suis. Hein. Si je me trompe pas, je devrais arriver au poste de secours. Bon là, on voit l'hôtel. Donc je... voilà, impeccable. Bon, allez, vite fait réparer les armes. Toto, tu veux que j'aille où en fait de... Bah devant, à l'entrée, où il y a la piscine. Ouais. Ouais, je... là, comme ça de... Je m'en rappelle plus trop. Est-ce que tu crois que je peux y aller via... via le voyage rapide ou pas? Maybe we can finally get this fucker to work. Thanks. We're safe here for now. Le phare, la tour de sauvetage. Eh ben non, ben on va être obligé d'y aller à pied. Ok. This is good luck. Talk to them and see what you can do. Bon. Désolé Toto, il va falloir qu'on court. Du coup, hâte qu'on joue ensemble. J'ai hâte de la voir. Faut essayer. Ok. Ok, bah ça marche. Allez, on y va, on continue. Hein, je vais vite fait valider la mission si tu m'en veux pas. Avant. Donc tu vois, hein, là, enfin vous voyez hein, plutôt, parce qu'il y a encore 5 spectateurs. Hein. Merci à vous. Donc du coup là on voit hein, franchement c'est super fluide. Tac. Oh, poor son of a bitch, I thought he'd make it. I was wrong. Thanks anyway. Appreciate the help. Hop, encore une mission de fini. Ça va. Merde. Ah peut-être là. Ouh, une machette faite maison. Ça c'est un truc à pas louper quand même. Mais du coup, ah bah c'est... Mais pourquoi je peux pas la récupérer du coup? Bon, alors attends. Deux petites secondes, hop, dans mon inventaire. Alors là, je vais peut-être augmenter
Ma survie, bah tiens, ça tombe bien. Voilà, je voulais augmenter l'emplacement. Et ben voilà, c'est nickel. C'est bon. Allez. Et ben on y va. Allez, pour faire plaisir à Toto, direction l'hôtel. J'espère que je vais la trouver facilement, la piscine. Alors attends, est-ce que je peux y aller en bagnole? Ouais, parce qu'il y a des... Je pense que c'est cette piscine là que tu parles, Toto. Ouais, bah faut mieux que j'y aille à pied du coup. Je pense que si j'y vais pas, ce sera pas plus mal. De toute façon, hein, ça va me débloquer les, le succès de la marche. Voilà, allez, on y va. Oh my god! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, oh my god? Qu'est-ce qu'il y a que j'avais pas vu? Peut-être ça? Là où il y a les drapeaux. Tiens, il y a une bagnole au milieu de la plage. On leur fait du speedrun. Hein. Là, c'est 100% speedrun. Et voilà. Donc là, il était déjà présent, hein, cet effet-là. Qu'on courait trop longtemps. Oui, d'accord, d'accord. Mais alors là, ouais, speedrun, mais speedrun nulle part là, puisque du coup c'est un cul-de-sac. On va prendre l'escalier qui est là. Allez. Hop. Je monte. Ah là, voilà, là, là on voit bien hein, les effets de lumière. Franchement, le soleil il est nickel. Il est nickel, nickel. Allez, on monte. Voilà, alors. La piscine, hein. Donc c'est moi si je suis, hein. La piscine, c'est par ici. De toute façon, l'hôtel est juste derrière. Donc je pense que Toto, hein, je suis sur la bonne route, là, si je me trompe pas. Allez. Bah voilà, des drapeaux, hein, des grands drapeaux. Est-ce qu'on est au bon endroit? Une piscine? Des parasols. Oh, et des zombies. Ah, toujours, ça évidemment. Madame la piscine, est-ce que c'est bien ici? Je vous crois pas. Bah ben voilà. Alors. Non. Alors oui, non, les drapeaux où il y a tous les pays. Ah, alors non, c'est pas les bons drapeaux. Ok, eh ben on continue, on va remonter. Bon, faut que je me rapproche, je suppose, encore de l'hôtel. Eh ben tiens, là je connais un petit raccourci. Voilà, hop. Je l'ai pris tout à l'heure. Normalement, il y a un zombie, ouais, ouais. Alors je me rappelais pas, je pensais que les zombies apparaissaient de façon aléatoire et en fait... Il s'avère que non. Ils apparaissent toujours au même endroit, enfin en fonction aussi des missions qu'on fait. Ah bah tiens, je commence à avoir le pied puissant. Hein, mais... Allez. Qui veut une tête? Voilà. Alors, on s'en approche. Donc là, on va faire le tour. Un bras coupé, bon c'est bon ça suffit. Il a fait une petite hémorragie. Je vais passer par le devant peut-être. On va aller voir. Alors là il y a des drapeaux. C'est pas vraiment des drapeaux de pays. C'est pas vraiment des drapeaux de pays. Du coup là je suis un peu entre les deux hôtels. Fais le tour de l'hôtel. Ok, ça marche. Bon on n'a pas son reflet hein, dans les vitres. On va arriver devant l'entrée.
Donc, sinon, il n'y a rien qui a changé. Hein. L'intro, c'est toujours la même. Hein. On commence dans sa chambre d'hôtel après une mauvaise migraine. Donc là, il y a une piscine. Ok, mais... Ah, bah, c'est peut-être ces drapeaux-là. C'est peut-être ces drapeaux-là, Toto. Lui, il est gros. Lui, il va peut-être pas tomber. Hop. Ah, tiens. Mais voilà. Ça a fini par couper. Ok. Alors, là, voilà. Par exemple, là, sur les fontaines, on voit bien hein, le nouvel effet. Mais ça, c'est sûr, ça y était pas sur la 360. Hein. Un petit effet de brume. C'est plutôt sympa. Les effets sur les verres des lampadaires sont super jolis. Alors, il y a le même effet que dans Dying Light, pour ceux qui l'ont fait. Ces espèces de particules de lumière. Les différents pays, donc bon, si on voit ce qu'il y a là, ça doit être la France, la Pologne et pas grand chose d'autre. L'hôtel est magnifique. Bon, bah, si voilà, bon, bah, Toto, hein. De toute façon, si tu l'as commandé, hein, y a pas de souci, je pense que tu seras pas déçu. Hop, voilà. Alors, salut Japan TV. Oui, effectivement, on est bien sur Xbox One. On est sur Xbox One. D'ailleurs, tu viens de louper deux succès hein, qui viennent d'être débloqués coup sur coup quand on était à la salle de concert sur la plage. Voilà. Voilà, voilà, bah voilà. C'est quand même du. Il y a quand même eu du boulot dessus. Voilà. Hop, on va s'arrêter deux petites secondes, le temps de regarder l'hôtel. Voilà. Bon, voilà, c'est ça. C'est, il y a du bon boulot, mais bon, quand on regarde de près, hein, on voit que... voilà, c'est tout simplement du retouchage. Hein. C'est pas non plus... ils ont pas modifié les graphismes, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah c'est cool, Toto, si ça a pu te rassurer sur ton achat. Franchement, après, je sais pas combien tu l'as acheté. Mais pour 39 euros, t'as 3 jeux. What's in here? Faut pas s'attendre non plus. Voilà, c'est pas une révolution. On est en terrain connu. C'est juste pour avoir... Les trois jeux, il faut grosso modo 15 gigas, hein, c'est 15 gigas d'installation. Donc, apparemment, selon les vendeurs de Micromania, mais ça c'est difficile à vérifier, un seul jeu serait présent sur le disque, les deux autres seraient en téléchargement. Bon, après, si vous avez une bonne connexion, hein, vous voyez pas la différence de toute façon. Puisque voilà, je vous ai dit 15 gigas pour l'intégrale, donc ça prend pas beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps hein. S'ils sont pas sur le disque, ça c'est à vérifier. Je joue n'importe comment. J'ai dit pas d'autographe. Oh. Ah, c'était ton frère. Bah, tiens, lui il lui manque un bras déjà. Et voilà, un coup du lapin. À terre, enfin voilà, donc c'est Dead Island, hein. C'est toujours aussi sympa. 29 euros, donc pour 29 euros, bonne affaire. Hein. Ça fait 10 euros le jeu. Sachant que j'étais très, 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 très déçu du nouveau, je pensais que c'était vraiment un beat'em all, moi, ce que j'en avais vu, et en fait, non, c'en est pas un du tout. Ok, mais il ne sort pas le 31, il me semble. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Japan hein, qui écrit encore. Donc, il sort le 31, effectivement. Mais il est déjà en vente à Micromania. En tout cas, ici. Effectivement, je ne l'ai pas trouvé à Carrefour. Sachant le prix, hein, 39 euros à Micromania. Bon, des fois, j'achète pas toujours à Micromania parce que c'est pas forcément eux qui font les meilleurs prix dans les...
Jour de sortie. Je fais n'importe quoi, je me trompe dans les touches, voilà. Mais bon, là il était à 39€. Bah pareil que Toto, j'avais un petit bon moi. Donc ça me l'a fait à 29 aussi, donc voilà. Et puis c'est vrai que d'avoir revu le trailer anniversaire qu'ils ont ressorti pour l'occasion, réenregistré pour l'occasion, bah ça fait son effet et ça donne envie d'y retourner. Et voilà. Voilà, voilà. Dead Island 2 t'a déçu. Dead Island 2 n'a pas pu me décevoir, sachant que il est toujours pas sorti. Je suppose que tu fais plutôt référence à Dying Light. En tout cas, si c'est pour Dying Light, c'est pas qu'il m'a déçu. C'est juste que il a en fait. On pourrait lui faire les mêmes reproches. Pas que Dead Island, c'est-à-dire ultra. Ultra répétitif. J'avais bien compris, Dodo. Donc voilà. Mais ouais, Dead Island 2, je pense que malheureusement. S'il sort un jour, ça sera pas maintenant. Moi, je l'avais vu au Paris Games Week. À l'époque, c'était prometteur. Aujourd'hui, on sait pas vraiment ce qu'il en est du jeu. C'est pas vraiment. Hop là. Restez concentré un petit peu parce que là, on risque de crever. On pourrait pas perdre de l'argent. Voilà, ça c'est fait. Toi. Hein, mais ouais, non, Dead Island 2, je sais pas. Et bah voilà, et c'est pas beau ça, les gars. Allez, encore un nouveau succès. Oh bah, par contre, faudrait pas que je crève. Voilà, stay down. Ok, bon, alors on a fait le tour de l'hôtel. Toto, on a bien nettoyé là, c'est clean. Je pense que la saison prochaine, c'est bon, on va pouvoir rouvrir. Donc pour revenir sur Dying Light vite fait, j'avais bien aimé par contre le petit côté parcours qui était assez proche de ce que pouvait faire Far Cry. Mais après voilà, on reconnaît la patte Techland quoi, c'est les mecs ils font ce qu'ils savent faire sans vraiment trop se renouveler. Donc faudra voir. Mais ouais, Dead Island 2, je pense que malheureusement. Bon, peut-être que voilà, si les gens achètent le remake, pourquoi pas. Mais bon, après. Oh, ça c'est beau ça. On a un maximum de bagages. Voilà. Alors, un accord, pas de cop, c'est mieux pourtant sur ce genre de jeu. Ah, mais Japan TV, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de coop. Hein. C'est juste que le jeu, il n'est pas sorti. Il est pas encore sorti officiellement. Donc, forcément, il n'y a pas grand monde dessus. Mais si, il est toujours jouable à 4 comme la version originale. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Là, on le voit. Hein, je suis en solo. C'est marqué. Mais on peut jouer à 4. C'est simplement que je pense qu'il y aura du monde à partir de la semaine prochaine. Bon, bah déjà, il y aura Toto hein, qui sera là dans 48 heures. Donc, les joueurs vont arriver. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Après, peut-être Japan Dying Light, lui, était solo ou coop. Coop à 2, je crois. En tout cas, celui-ci, c'est sûr, c'est coop à 4. Oh, joli bonnet. Le mec, il a un bonnet à Tahiti. Moi, je veux bien. C'est pas trop la saison. Voilà, il me semble chelou celui-là. Il voulait pas que je vole son sac orange. Mais t'inquiète pas, j'en avais pas l'intention. Ah, il a oublié ses tongs. Ok, c'était un voleur de tongs. HRN. Ok. Bon, voilà.
Ok, ça marche, Toto. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va peut-être revenir un peu dans les quêtes. Deux cœurs. Retrouver Anne, la sœur de Jennifer. Alors Jennifer, on se rappelle, hein, c'est la fan de champagne. Celle qui meugle à longueur de temps. Ah, où on te champagne, ah, où on te champagne. On va voler les valises. De toute façon, il n'y a plus personne qui viendra les demander. Tac. Donc, bah évidemment, pour ceux qui n'ont jamais fait Dead Island, franchement, moi je le conseille. Alors, rien que pour son côté. À son côté action. Action main en fait. C'est vrai que ça change du FPS lambda. Ou. Bah, t'as une. Voilà, c'est pas Call of Duty, hein, t'as pas de mitraillier. Enfin, tu peux avoir des armes dans le jeu, sauf que tu les as très tard. Là pour l'instant j'ai juste un revolver mais je m'en suis jamais servi. Et voilà c'est ça. Voilà. Là on voit que mon arme est morte puisque je ne fais plus aucun dégât. Voilà. Voilà, hop, tac. Allez, on continue de voler les valises. Je trouve pas ton gamer tag. Bah, Battle Royale, alors par contre, ouais, il y a une un espace entre les deux. Donc, B-A-2-T-L-E, espace R-O-Y-A-L, Battle Royale. Ils m'ont suivi. Ouais, pervers là. J'ai dit non. Je ne sortais pas avec les zombies. Poum. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est vraiment. Là, c'est sympa. Alors, ok. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Reste à terre. Ouais, salut. T'es fier. J'aime pas ta casquette. Paf. Oui, il est mort. Alors des fois c'est incroyable mais... Mes talons tuent les zombies en un coup. Allez. Je t'ai invité. Ok, ça marche. Donc, tu m'as invité dans... C'est toi qui m'as invité c'est... dans le groupe. Oula, 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 on va reculer un peu. Et voilà, ça charcute. Alors attendez, deux petites secondes, hop. J'ai plus de retour, donc je reviens. Thank you.
Hop là. Voilà. Alors, ah, du coup, j'ai perdu. Ah oui, j'ai perdu. Du coup, c'est bon? Ouais, bah pareil. Je dois trop tarder. Bah ouais, ouais, coup de bol, bah sans savoir. Hein. Et en fait, ils en avaient pas reçu sur la web, c'est que des versions PS4. Et ils... Vas-y. Ouais, genre, bah alors, je sais pas du tout en fait, parce que bah maintenant, comme tu t'es. De mettre les jeux sur le disque dur, de toute façon. Mais vu la vitesse où ça a téléchargé, je pense que c'est CD. Hein. Non, t'as pas de code de téléchargement, non. Bah, je sais pas si t'as déjà acheté des remakes, style Borderlands ou Metro. Hein? Ah oui, d'accord, mais des jeux ou des bundles en fait. C'est pour ça que je disais style Metro, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Band. Des jeux où il y a plusieurs jeux en fait en un. Le rétro là? Ouais non, bah j'ai pas. En fait, c'est du run, en fait, c'est du... Donc, bah, t'as ton perso qui avance tout seul et t'as trois lignes... qui... Trois lignes différentes et en fait, faut éviter un maximum de zombies arriver à la run, en fait. Bah ouais, moi je pensais que c'était vraiment un beat'em all à la Street of Rage et en fait, bah non, pas du tout. Oh bah t'inquiète pas. Alors attends. Je crois que en fond y a, ça on peut jouer ensemble parce que de toute façon. Alors après peut-être au niveau des missions ça va bloquer en fait. Donc si toi t'es niveau 1, bah les zombies sont niveau 1, moi si je suis niveau 6, les zombies sont niveau 6 en fait. Si je me rappelle bien. Donc si tu le saignes, tu vas aller, tu vas vite me rattraper parce que je joue. Bon bah voilà, donc tu vois, ça se trouve tu vas me rattraper en une nuit. Là grosso modo, moi je suis là 4 heures de jeu à peu près. Maybe there's something useful. Mais après j'aime mieux. Oh thank God, thank you. Comment, Dodo? Oh, thank God. Ah non, bon non, non, j'en prête pas, mais j'avais bien aimé déjà sur 3-6.
Et puis non, c'est toujours sympa. Et puis j'aime bien. Là, tu vois, je fais pas la mission principale. J'ai fait que deux missions principales et je fais toutes les secondaires. Mais je pense qu'il y a des, il doit y avoir des succès pour le multi. Donc comme je suis pas un super adepte du multi, mais ouais non, je vais avoir pas mal de succès, ouais c'est clair. Ouais bah voilà, déjà s'il y a des succès sur l'arène déjà. Mais bon, ce qui est bien en multi, c'est vrai qu'il y en a toujours un ou deux qui se baladent avec des armes cheatées et qui te les refilent. Ça c'est sympa, je me rappelle sur le premier, il y en avait un qui m'a filé une machette électrique qui avait même... Ouais bah ouais, voilà c'est ça, c'est pareil pour les armes, c'était... t'avais plus besoin de les réparer et tout. Mais je sais pas comment... Du coup, ouais, s'ils ont réussi à le faire sur 360, je pense qu'ils arriveront à le faire sur One. Mais après, voilà, est-ce qu'il va y avoir autant de joueurs qu'il y a eu sur 360? Parce que c'est vrai que bon, c'est un. Enfin voilà, quoi. Tu vois, les gens, ils disent ouais, les remakes, ça commence à bien faire. Ah, c'est vrai que. Ouais, ah bon non plus ça me dérange pas, mais bon, c'est vrai que il n'y a jamais eu autant de remakes que sur cette génération là quoi. Ah bah hey, Kinect hein. Minuit moins 10, ouais, minuit moins 10 à la pendule. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ça va être encore dur demain matin. Wow, 407 mètres. Est-ce que je peux y aller à pied? Ah bah ouais, non, moi ça y est, les vacances sont terminées. Bah oui. Après je dis pas que je joue tous les soirs, mais ouais je joue assez souvent. Ouais, je te dis, il a 39 partout. Mais Amazon ils font souvent des bons prix hein. Ouais c'est bizarre parce que généralement par contre Amazon eux ce qu'ils font c'est tu le reçois le jour de la sortie. En 3 jours ouvrés, ouais 72 heures. Ah, j'ai pété la bagnole. Ah non c'est bon. Et c'est vrai que... Ouais non mais en plus il est moins buggé hein. Je me rappelle que... Il était quand même pas mal buggé le premier, enfin la première version. Hormis les problèmes de que ça ramait. Ouais, vas-y je t'écoute. Ah ouais bah donc ouais. Parce qu'il sort vendredi c'est ça? Mardi? Ah ok, bon bah ouais. Tu l'auras un petit peu après la sortie. Bon après Micromania c'est ils sortent souvent les jeux le week-end juste avant. Oui bon non mais. Ouais y a pas mal de missions quand même hein. Les missions secondaires ça je sais plus bah t'as déjà t'as un succès pour faire 75 missions.
Donc je regarde plus. Ah oui, d'accord. Bah là, c'est le spectateur, oui. Mais c'est incroyable, tu mets Kinect en fait, dès que tu mets ta, ta tête en fait, t'as plus de monde qui vient regarder quoi. Parce que quand je mets pas Kinect, j'ai 2 voire 0. Je diffuse pendant 2 heures et t'as personne. Ah ouais. Ouais, enfin bon, après t'as plus d'intérêt, si t'es déjà niveau 50 à ce niveau là. Paf, allez, hop, coup de pied au cul. Ouais, ouais. Ah non, c'est pour ça, il était super bugué, je... Ouais, et alors... Ouais. Bah, tu l'avais... T'avais fait d'abord le... avant de faire celui-ci ou quoi? Ouais. Et donc, le supplément, ça vaut le coup? Ouais, bah ouais, voilà, mais bon, je sais plus, c'est 20 euros, hein, je crois. Ouais, le problème, c'est que les réductions sur les DLC, il y en a pas beaucoup. Ou alors, ouais, essayer de le trouver en magasin, pas cher. Merde, oh putain. Ah bah, alors, attends. Hop. Ah bah ça. Ah bon. Ouais. Ah bah moi je sais pas, j'ai là pour l'instant, tu vois, j'ai juste fait l'histoire. Ah ouais, non, mais je les ai pas fait. Ouais, mais ouais, comme je disais, je joue pas beaucoup en multi, donc forcément, j'ai fait le scénar, quoi. Cette zone, j'y ai été... en front, ben, donc... si bien Far Cry, c'est Far Cry dans la ville, en fait. Exact. Bah. 64, c'est le seul jeu sur 360 où tu pouvais jouer à autant. Franchement, moi j'ai jamais. J'ai une bonne connexion donc. Mais. Non, j'ai jamais vu bugger. Hein. Non, non. C'est vraiment sympa. C'était des 32. Mais... Ouais, bah oui, oui, bah... bah, je dépense ma paye dedans, ouais.
I need champagne. Non mais c'est pour ça que je joue beaucoup mais je joue pas longtemps. C'est pour ça tu vois, Division j'ai fait le solo. Non non, j'ai fait 4... Ouais. Ah non, Fallout, ouais. Je sais, on me le dit souvent. C'est pareil, tu vois, c'est un peu comme GTA. C'est des jeux, ils sont tellement bien que je veux pas les finir trop vite en fait. Et du coup. Ah bah oui, non mais. Attends, c'est quoi, attends, tu m'as dit, c'est Morrowind là, c'est ça? Ah oui, non mais celui-là, je l'ai pas acheté, c'était le week-end free to play. Ah bah, ouais, quand j'ai vu le jeu, j'ai fait... Ouais. Ouais, j'ai même pas été... Je suis même pas à la deuxième partie. Et voilà. Ah mais... S'il fallait que je finisse tous les jeux, je serais à 10 000 heures de jeu. Hein? Ah ouais, Watch Dogs, oui, bah oui, en fait, dès que c'est des GTA... Ah bah si tu fais toute ma liste, t'en as pour la nuit là, tu vas pas te coucher. Get up, I'll kill you. D'ailleurs, je suis en train de jouer pour rien, parce que là j'ai même pas lancé de mission. On va esquiver lui, parce que c'est un balèze. Oh là putain, j'ai plus que des missions difficiles en plus. Récupérer les balises lumineuses dans les épaves se trouvant sur... Oh. Ouais bah merde. Plus qu'à revenir en arrière. Ok. Et puis ça va me permettre peut-être de finir un Riptide. Est-ce que celui-ci... Ah non. Bon, je l'avais acheté, je crois... 9 euros peut-être. Et j'avais fait... Bah, j'avais joué 2 heures, allez, voilà. Bon, après le Riptide, c'est exactement le même que celui-là. Gigas pour les 3 hein. Ouais, 14, quelque chose. Ah bah oui, oui. Ah oui, bah voilà, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est pour les jeux bundle en fait. Comme Borderlands, en fait, il te met 3 blocs
Tu choisis, soit tu télécharges un jeu, donc un bloc, soit tu télécharges tous les jeux. Donc tu peux télécharger que Dead Island, et puis. Oui. Ah bah de toute façon ils sont dans le... Hop. Donc tu télécharges les jeux, donc tu les installes sur ton disque dur, mais après il faut toujours mettre le CD dedans. Hein. Ah non. Bah non, ah non, tu lances les jeux indépendamment les uns des autres. Oh là là, où je suis parti moi? Oh bah non, alors là je suis mal. Attends. Bah alors attends. Hop. Tac. Je vais. Sur le jeu. Tant pis. Ouais, bah oui, maintenant que. Ouais, si on va voir. Il y avait un peu de monde là-dessous, je m'en rappelais plus ici. Bon alors attends. Bah au pire, ce que je peux faire, c'est diffuser vite fait. Bah je peux rentrer. Pour voir ce que ça donne. Bon, je vais arrêter là. Donc les gars, on part sur Dead Island. Hop, donc quitter. Ah, ça alors c'est où? Voilà. La photo de la meuf? Où ça? Ah ouais, c'est un dessin. Le dessin.